Oui, cette cérémonie est une grande cérémonie pour nous, la Guinée. Aujourd'hui, nous avons développé deux grandes centrales qui sont Kalita et Swapiti à hauteur de 690 MW. Et aujourd'hui, nous utilisons la moitié de cette énergie. Mais avec la signature de ce contrat, nous aurons l'occasion d'alimenter nos pays, les pays voisins, c'est-à-dire la Guinée-Bissau et la Gambie, à travers ce contrat-là. Et donc, c'est une opportunité pour notre société qui est EDG. Vous venez de signer ce contrat, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, nous allons voir maintenant, puisque en 2019, déjà, on avait signé déjà les contrats d'achat d'énergie. Donc nous allons nous rapprocher des autres compagnies d'électricité pour en discuter amplement pour la mise en route de ce contrat d'achat déjà, qui a été déjà signé depuis 2019.